time that I see your face, it always makes me smile. Oh, oh. And every time that I drive to you, it's always. Bonjour à tous, ici Dingo Darwan. Aujourd'hui, petite présentation donc des lampes halogènes LED. Donc c'est modèle G4, je pense. Je ne suis pas sûr. Oui, c'est ça, donc des G4. Donc c'est pour remplacer mes lampes halogènes sous l'évier, hein. Donc voilà, donc je les ai installées, je vais vous montrer. Donc je les ai installés pour les placer ici, donc c'est de l'éclairage sous le meuble de cuisine. Donc voilà, j'en ai plusieurs tout le long du meuble de cuisine. Et on allume, voilà, ça donne un très bel éclairage. Donc n'hésitez pas à en acheter, il ne faut pas d'installation, hein. Vous jetez les anciennes halogènes et vous mettez cela, ça marche très très bien. Il ne faut pas mettre de modules supplémentaires ni rien, n'hésitez pas à acheter. Je crois que là j'ai eu le lot pour 3 euros. Donc oui, j'ai eu les 10 lampes pour 3 euros. Et ben, là ça va, il faudra voir dans le temps. Il y a d'autres modèles qui vendent. Donc moi j'avais aussi ceux-là, je vous montre. Donc là c'est un modèle rempli de silicone. Mais donc ils durent dans le temps quand on les a installés. Mais si vous les entreposez, ben, je pense qu'ils ont une date de péremption, puisque ceux que j'ai mis, ils ont fondu. Ils n'ont pas tenu la puissance. Je ne saurais pas vous dire pourquoi. Pourtant, j'en ai 2, 4, 6, 8. J'ai 8 lampes. J'ai encore 6 lampes. Il y a 2 qui sont. Ben, les 2 lampes qui sont plus utilisées, ben, ils ont grillé. Ça fait plus d'un an. Ça doit faire 2 ans, même 3 ans ici. Et ils tiennent toujours. Sauf que quand j'ai voulu remplacer les 2 usés, ben ceux-là, ils ont pas tenu. Donc après entreposage, ils n'ont pas tenu. Ils doivent avoir une date de péremption ou quoi. Ou je suis tombé vraiment sur ceux qui ont des défauts. Mais vraiment, ils ont fondu. Donc il y a un module noir à l'intérieur. Je sais pas si je vais vous montrer correctement. Mais les autres, je les ai pris, ils sont plus en silicone. J'ai dit, je vais plus reprendre ce modèle-là. Parce que si je dois stocker un petit peu. J'ai repris en plastique normal. Je vais vous remontrer le modèle. Je sais pas si j'ai remis ici. Non, j'ai remis dans la boîte. Si j'arrive à l'enlever. Voilà, ce modèle-là. Donc il y a 6 LED de chaque côté. Celui-là, c'est vrai, ils ont mis 6, 12, 18. Je crois qu'il y a 24 LED, donc 6, 12, 18, 24, oui, il y a 24 LED. Alors que là, il y a 6 LED, mais ils éclairent même plus que ceux ici avec 24 LED. Donc je vous conseille ce modèle-là, en plus c'est le moins cher. Donc ils sont à 3 euros, ça consomme, je pense, du 3 watts. Donc c'est rien du tout comparé à une halogène qui va vous consommer du 20 watts. Donc voilà, et en plus elle vous donne un éclairage blanc. Moi j'ai pris en blanc. Donc voilà. Donc c'était Dingo Darwan pour ces petites lampes. Hein. Donc je vous conseille, je vous mettrai le lien en description si ça vous intéresse, des petites lampes comme ça pour remplacer vos anciennes lampes halogènes. Donc ça va vous baisser votre facture d'électricité. Je suis un spécialiste du domaine, donc croyez-moi sur parole. Donc voilà, un grand merci d'avoir regardé. À la prochaine, c'était Dingo Darwan. Yeah. Like the attention, girl, I know you.